Monsieur conseiller national Parmelin, est-ce que vous êtes content avec le débat de ce matin? Je ne peux pas être content, on a perdu pratiquement sur toute la ligne. Le projet est mal ficelé dès le départ, mais il s'est déroulé vraiment, il y a des blocs, les faits sont réglés déjà en commission. Et puis surtout, il ne correspond pas, le projet, à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et seulement pour ça, pour moi, le projet est mauvais. Et pourquoi l'UDC n'a eu pas plus de succès ce matin? Écoutez, peut-être que nous, on voit la réalité des choses. J'ai l'impression que les autres partis aimeraient voir des vœux se réaliser, mais ces vœux ne correspondent pas à ce qui se passe sur le terrain. Et on ne trouve pas de majorité suffisante, aussi bien à droite, principalement à droite, pour nous soutenir. La preuve, même certains membres d'organisations économiques votent avec la gauche du Parlement. Mais pourquoi ça? Les radicaux, normalement, ils ont voté avec les bourgeois. Pourquoi plus maintenant? C'est malheureusement pas le cas, en tout cas les radicaux romans. Mais je le répète, j'ai vu même certains membres ou présidents d'organisations économiques qui ont voté les projets de la majorité, donc les projets de M. Leyenberger. Et ça, c'est inexplicable.